prends la petite du Québreux maintenant, là. Oui, et la charbonnelle aussi. Les parents ont demandé ça pour que ça crée une sorte d'émulsion. Une émulsion? Oh, une émulation. Qu'est-ce que je suis fatiguée, franchement, de bon matin, de bonheur. Enfin, tu sais, j'ai beau être prof de français, mathématiquement parlant, moins, plus moins, ouais, avec les élèves, ça fera toujours moins. Enfin, les parents s'imaginent simplement que ça va faire plus, ça va s'annuler, tu comprends, ça sera positif. Enfin bon, écoute, bon courage à nous, on se voit tout à l'heure. Ouais, merci. Un café. Allez. Ouais, merci, hein. Au moins, ça me fera des heures sup. Oui, ciao. Ciao. Mademoiselle Charbonnel, vous avez dit quelque chose? Non, rien. La barbe, 2 heures avec merci, la poisse. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Allez, mesdemoiselles, ils feront monter ces notes. Ah, vos parents me l'ont demandé, malheureusement. Même si, c'est un peu médiocre. Ils vont essayer d'augmenter les moyennes. Pour le prestige de notre école. De moi. Oh, mais je suis sûre. Ah, mais j'ai moins de ce que m'a fait mon père. Attends. Le sujet de la dissertation. Attends. Regarde. L'amour et la culture. L'amour. Regarde la connaissance. Mademoiselle. Non. Mais. Arrête, tu me fais mal. Histoire de l'usure. Tant d'histoires d'amour. Sentiments amoureux. Et de concentration, je vous prie. Je ne le répéterai pas 2 fois, mesdemoiselles. Je pense que la leçon n'est pas apprise. Mesdemoiselles, je peux faire preuve d'une très grande patience. Mais vraiment, l'écorchage des mots et la non-compréhension et la non-concentration me fait perdre mes moyens. Est-ce que vous croyez que l'amour peut attendre à mon âge? Vraiment? Savez-vous à quel point, combien j'attends? Oh!
13 va vous rentrer dans les amis. Il n'y a plus de bruit, tout est endormi.